Salut les gens, Delta Green Old School, le livre de base. Donc voilà, j'avais fait une vidéo il y a belle lurette sur tout le mal que je pensais du livre de base de la nouvelle version de Delta Green de Sans Détour, parce que ça manquait vraiment de background à mon goût. Donc je parle pas de la gamme, hein. La gamme elle s'étoffe, elle est très bien, mais le background, le livre de base m'avait laissé absolument sur la fin. Plein de gens n'ont pas compris pourquoi, enfin voilà. Ça, c'est un livre de base de Delta Green où t'as à manger, t'en as pour ton argent, c'est ultra dense, voilà, là t'as déjà plein de trucs qui sont dedans, de conspite, bestiole, de... Voilà, ça c'est une valeur sûre. D'ailleurs ça me fait rire, hein, sur le marché du net, il est beaucoup beaucoup moins lorgné que la version de Sans Détour. Bon bah, parce que la version de Sans Détour a vraiment eu une bonne cote, puis parce que les suppléments qui vont avec sont pas mal. Mais en tant que livre seul, c'est vraiment un très très bon choix, hein. Delta Green en solo, c'est du bon. Voilà. Donc je pourrais vous en parler 15 jours, mais le système, hein, c'est du culu, donc voilà, basé sur du basique. Et l'intérêt, c'est que contrairement à celui de Sans Détour, t'as plein de background dedans. Donc je vais pas non plus vous faire le background de Delta Green pendant 15 jours, peut-être faire une vidéo pour, mais à ce moment-là, j'aurais bien révisé mes classiques avant. Mais ouais, j'avais tout simplement envie de vous en parler un petit coup de fait, parce que ouais, enfin j'ai souvent eu des remarques pourquoi j'aimais pas Delta Green. J'aime Delta Green, c'est juste que le livre de base Delta Green de Sans Détour, je l'avais trouvé beaucoup trop édulcoré. Ça c'est le livre de base qui avait fait Descartes, et il y a vraiment il y a plein de morceaux dedans, voilà. Et c'est un livre de base comme on les aime bien, un livre de base où tu te dis rien qu'avec un bouquin tu peux jouer des années, voilà. Donc je vais pas blabla de plus, hein. Enfin t'as le Majestic 12, tout ce qui fait Delta Green en version un peu old school, parce que forcément le truc il a 20 piges, hein, mais du tout bon. Si t'aimes à peine travailler sur tes jeux et que t'as moins de pognon que passer 200 boules pour t'acheter toute la gamme Sans Détour Delta Green qui est maintenant que du collector complètement hallucinant, voilà, t'achètes ça, ça vaut largement largement le coup. Faut savoir à peine bidouiller ces trucs, voilà. Achète Delta Green, l'appel de Cthulhu Old School, il vaut vraiment le coup si tu sais de sortir un petit peu les doigts du bout. Voilà. Ce qui ne veut strictement rien dire, ce que je dis. Bon, allez, je vois bien, salut les gens!